tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je pète la forme, on se retrouve pour l'épisode 10 de Resident Evil 0, j'espère que vous êtes chaud, que vous êtes bien installés, comme d'habitude on est parti pour une bonne grosse demi-heure ensemble, allez vous chercher un petit truc à boostifier, un petit truc à bouer, mettez-vous à l'aise, évidemment je m'occupe du reste, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que je devais faire, je ne me souviens déjà plus très bien, on avait récupéré quelques petites choses. Nos deux inventaires sont complètement full, on va pouvoir déposer certaines choses à mon avis. Alors on avait ceci, je pense qu'on va pouvoir le laisser ici parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment et j'en avais déjà déposé un par terre, si je me souviens bien. Qu'est-ce que je devais faire? Attendez, je regarde sur la carte. Oui, on a les deux ici, on a la plaque obéissance et la plaque unité. Alors les deux sont là. Et il nous en manque une troisième, si je dis pas de bêtises, qu'il faut aller mettre dans la salle ronde. Ici, on a pas mal d'objets qui étaient dans le train au début, qu'on avait laissé là. Il faudra peut-être que j'aille rechercher le... Allez, le grappin. On en aura sûrement besoin à d'autres moments. Oui, attendez. J'ai la batterie. Donc, il fallait, c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait sortir devant pour aller mettre ça au niveau de l'ascenseur. Donc, on va laisser Billy ici pour le moment. Parce que ça, c'est un truc que je prends comme habitude. Ça, on peut laisser aussi. Donc, je prends vraiment l'habitude de laisser... allez, quand on va découvrir un nouvel endroit, de ne pas rentrer avec les deux personnages. Ce serait bien dommage. Même si, bon, là, voilà, en mode facile, avec toutes les sauvegardes et toutes les armes et tous les soins qu'on a, on n'a plus trop de risque de mourir. Mais bon, on va pas faire les petits fous non plus. C'est vrai qu'on avait encore quelque chose à récupérer sur le poteau là-bas, mais on ne peut pas l'atteindre... Alors, on va aller placer la batterie là-bas. Normalement, c'est ça. Parfait. Mais encore. On va équiper ça. Je ne peux pas. Simplement. J'ai peut-être oublié d'appuyer sur un bouton ou quoi. Prendre l'ascenseur, oui. Tout à fait. Alors, il y a une énorme caisse dessus, ok. Ah, mais je vais avoir besoin de Billy. Puisque moi, je vais monter sur la caisse, là, sur l'ascenseur, et puis Billy va l'activer. Je connais ça. On va faire ça. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de tracer à fond pour terminer ce jeu. Donc je vais essayer de vous sortir un épisode par jour. Là je vais taffer dessus jusqu'à le terminer. Puis on terminera bien évidemment Evil Within. Puis après on verra bien ce qu'on fait. Probablement déjà Evil Within 2. On prend l'ascenseur. C'est trop dangereux d'utiliser l'ascenseur maintenant. Comment ça mon ref? Elle peut pas être dessus? Il y a quelque chose que je comprends pas. Et je peux pas la tirer la boîte, je ne peux que pousser et elle a pas l'air de vouloir donc... peut-être avec... Allez! Oh les angles de caméra, au secours. Ben non. Alors peut-être l'inverse. Peut-être, on va voir ça. Allez, c'est trop dangereux d'utiliser l'ascenseur maintenant, je comprends pas tout. Il y a quelque chose qui m'échappe. Toutes les pièces, j'ai été partout. À part là-haut, là, il y a une pièce rouge. Je suis pas du tout... Ah, il y a une pièce que j'avais pas terminé de visiter, peut-être qu'il y a quelque chose dedans... qui permet, je sais pas moi, de péter cette caisse d'une manière ou d'une autre. Donc on va aller chercher ça. On va laisser ça ici, si je peux. Je peux, parfait. C'est vrai que j'avais dit à la fin du dernier épisode que on laisserait la dernière pièce à visiter pour cet épisode. Donc on va y aller maintenant. On va aller voir ce qui se cache là-bas. Putain, on a laissé tout notre bordel partout par terre. C'est un enfer. Alors si je dis pas de conneries, c'est par là-bas. Ouais, c'est ça. Ah, le reste c'est fait.
Je comprends pas trop la pièce qui est toujours dans le rouge. On verra bien. Ah, ça fait du bruit, hein. Tant pis, de toute façon, je ne monte pas là-haut pour le moment. Là, normalement, on les avait éclatés, donc il n'y a plus personne. Tout à fait. Parfait. Et j'hésite pour après ce jeu si je fais, comme j'avais dit, directement Resident Evil 1 avec Chris, ou alors si je vous fais le 2. Hop, hop, hop. Mais quand je dis le 2, je pense que je ferai l'original, hein, quand même, avant le remake. Parce que j'aime bien. On verra bien. Après, si vous voulez vraiment voir le tout premier avec... Enfin, le premier, le remake de 2015, hein, que j'ai fait... de 2002 ou 2015. C'était 2002 sur GameCube et 2015 sur autre console, je pense. Si vous voulez voir l'histoire avec Chris, bah, je la ferai, sans aucun problème. De toute façon, je les ferai tous. Mais c'est un peu vous qui voyez pour l'ordre, quoi. Si vous avez des préférences, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Énormément de choses. On a un spray que, honnêtement, je vais pas prendre. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis. Il y a des munitions, mais ça, on en a mille fois trop, mille fois trop. Divers équipements de laboratoire. Rien d'intéressant. Fine. Il n'y a vraiment rien de très utile à récupérer, en fait. C'est juste des objets de soins, des munitions. Quasi-totalité de l'équipement, non, certaines machines, non, ok. Et il n'y a rien. Ah, bah, il y a une bouteille. Pour faire des explosifs. Mais est-ce que j'en ai besoin? Honnêtement, j'ai même pas besoin de soins. Hein. On en a dans la pièce principale, on en trouvera encore d'autres. Franchement, je trouve le seul truc que je pourrais dire de négatif sur ce jeu, vraiment, c'est que la différence de difficulté entre le mode facile et le mode normal est beaucoup trop énorme. Vraiment. Je n'ose même pas imaginer le mode difficile, les gars. C'est hardcore. Puff, puff, puff. Bah ouais, on a laissé plein de brawl partout. Il n'y a pas vraiment d'objets à récupérer. Donc ça m'embête pour l'histoire de cet ascenseur avec la caisse. Je sais pas du tout quoi faire. Et je peux pas aller là-haut parce qu'il me manque une plaque. Il me manque une plaque. Parce que c'est forcément la suite, hein. Quand j'aurai mis les trois plaques là-bas, à mon avis, ça va se libérer, il y aura la suite, mais... En attendant, je me retrouve un petit peu emmerdé, quoi. J'essaye de voir déjà où mène cet ascenseur. Ah bah il mène là en fait. Il mène au niveau de là où il y a la grande pièce ronde en fait. Enfin là où on a eu le boss. L'espèce de mille pattes géant là. C'est quand on était dehors en fait avec les corbeaux. À cet étage-là quoi. Hop 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 hop, salopio, il m'a fait paniquer, j'ai mis pause. Je pense que j'ai le temps de passer, faut juste pas que je me gourde porte. Aïe 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 la baffe. Attends, c'est cette porte là? Je panique tellement que je prends même plus le raccourci. Oui, c'est là, ok. On se casse. On va pas gâcher nos munitions pour rien. Regardez, voyez là, il y a quand même une de ces saloperies qui est quand même assez puissante qui m'a mis une baffe. Et j'ai rien, je suis toujours en ok. Alors qu'en mode normal, je suis dans le mal, quoi. Je serais en attention. C'est un petit peu catastrophique, quoi. Porte. Allez, toujours plus. Porte bleue. Alors. Et aussi, j'ai aucune idée de si on est loin dans le jeu ou pas. J'en ai vraiment aucune idée, quoi. Je sais pas du tout s'il y a encore beaucoup de zones après. Alors ça, on va combiner. Ah, je peux pas direct. Bah, il faut que je prenne le paquet. Et là, je combine comme ça. Et ça va me sortir les deux. Ouais. Parce que là, les trucs au napalm, avec le nom que ça porte, à mon avis, c'est assez efficace. Laisser ça ici, ah, pas besoin. Du coup, je vais aller voir l'endroit où se trouve bah, l'ascenseur une fois qu'il est remonté, quoi. Donc c'était, donc je vais devoir aller là, désinguer les petits Scrooge Scrooge, et puis aller rejoindre, me mettre juste au-dessus de Rebecca, en fait, voir si je peux pas faire quelque chose depuis en haut. Allez, ça dégage. Tu veux bien viser celui qui est proche de toi, s'il te plaît, Billy? Hop là, c'était limite. Oui, bien sûr. Allez, ça dégage.
efficace, n'est-ce pas? Ben c'est très bien. C'est bien, j'ai énormément de munitions de pompe. Honnêtement, le jeu il régale en mode facile. C'est presque exagéré en fait. En fait, j'ai l'impression que le mode facile est trop facile et le mode normal il est trop difficile. Il faudrait vraiment entre les deux, ce serait chouette. Après, peut-être que c'est juste moi qui suis une énorme quiche en mode normal et qui ai fait absolument n'importe quoi. C'est tout à fait possible aussi. Alors, voilà, bah on y est en fait, je pense. Ouais, c'est juste là en face de moi en fait. Et j'ai l'impression que les Croix-Croix ne sont plus là. Je croise les doigts. Ah oui, du coup, il faut que je fasse remonter. Hop. Et je vais voir si d'en haut je peux pas pousser la caisse ou peut-être qu'il faut la pousser, qu'il y a un trou dans le dans l'ascenseur et qu'il faut éclater la caisse en bas, mais j'ai pas vraiment l'impression, hein. C'est bien dérangeant tout ça. Peut-être que je dois atteindre quelque chose là en hauteur que je vois pas. Non. C'est étrange. Ouah. Bon, j'aurais essayé. Ça m'aurait étonné aussi que ça pète la caisse. C'est complexe tout ça. C'est complexe. Y a rien qui traîne là? Non. Ah, mais attendez, je viens de voir sur le poteau, c'est la troisième plaque, je crois. Et en fait, je me demande s'il faut pas. Comment dire? Ah, je vais quand même pas lancer un cocktail Molotov sur la caisse, quoi. Je vais pas tenter ça. Clairement, c'est pas ça. Je me demande s'il faut pas utiliser la caisse depuis en bas pour atteindre ce qu'il y a sur le poteau. Et je pense que sur le poteau, c'est la troisième plaque, justement. En même temps, ça peut être que ça parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc, on fait descendre. Et je me demande, il y a un truc que j'ai pas essayé qui est tout con en fait. Je me demande s'il suffit pas de passer de l'autre côté de la caisse. Parce que vous voyez, quand c'est haut, on se rend compte vraiment qu'il y a un écart entre le. Enfin bref, entre le bord de la caisse et le bord de l'ascenseur quoi. Allez, allez! La caméra, s'il vous plaît. Merci. Voilà, on fait ça et je me demande si je peux pas tomber de l'autre côté. Ben voilà! Facile! Et là, on pousse. Incroyable. Incroyable. Et ça, du coup, je vais aller la pousser contre le poteau pour récupérer la dernière plaque. Et ensuite, on pourra tout simplement aller vers la grande salle ronde, placer ces plaques-là et voir où ça nous mène. Hop, on va essayer d'aller placer ça bien, pas trop loin pour pas que ça bloque. Ça devrait être bon. Mais vu que parfois la hitbox de ce jeu est un enfer. Ouais, bah voilà, c'était sûr. C'était sûr. Alors, maintenant, ça va être encore galère. Hop, un petit coup. Voilà. Ça, c'est bien. Hop. 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 Je pense qu'on est bon. Allez, monte là-dessus, cocotte. Est-ce que je peux le prendre? Il y a quelque chose ici, et c'est évidemment la plaque discipline. Excellent. Perfect. Il n'y a plus qu'à aller placer tout ça. Trop bien. Trop, trop bien. Mais du coup, ça veut dire qu'on va peut-être encore quitter cette zone. Et ça m'embête parce que bah, y a plein d'objets qui traînent. Hein. Plein d'objets. Je me demande si je vais pas avoir besoin. Attendez, est-ce que j'ai de la place? J'irai bien chercher les objets qui sont près de l'épave du train, en fait. Genre le grappin, ça doit être quelque chose d'important, il me semble. Voyez? En général, c'est important les grappins. Le grappin! Nous vous devons une reconnaissance éternelle. Bon. Je sais pas si je vais chercher ça maintenant. Est-ce que je fais une petite sauvegarde? Non, déjà, je vais récupérer toutes les plaques, hein, de toute façon. Pour les avoir toutes sur moi, parce que sinon, je n'irai pas loin. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, il me manque des places pour aller chercher le grappin que j'aimerais bien avoir. Non, c'est pas ça, forcément. Nion. Et du coup, je vais peut-être faire redescendre Billy et poser certaines choses ici dans le couloir pour aller chercher le grappin. Je sais pas. Je sais pas si on en a encore l'utilisé. Je sais pas si on a encore l'utilité du grappin. Mais je sais pas, mon flair me dit que ça peut pas. Allez, si j'en avais plus besoin, le jeu me dirait que j'en ai plus besoin, je pense.
Je pense. Je ne veux pas dire de conneries, évidemment. De toute façon, là, on va redescendre. On va très vite rejoindre. Alors, je suis très con parce que j'aurais pu utiliser l'ascenseur. Mais c'est pas grave, c'est pas beaucoup plus long. C'est pas beaucoup plus long. Alors. Ah oui, et bordel, je manque à mes devoirs, moi. Vous êtes exceptionnels, en fait, les gars. Parce que ça fait que de monter le nombre d'abonnés. On est à 90, les gars. Plus que 10 et on est à 100. Genre, c'est quelque chose qui est normalement ultra facile à atteindre. Mais tracez, les gars. Montrez-moi de quoi vous êtes capables. Vous êtes des rois, ça se voit de toute façon. Ce que vous avez fait là depuis le début, genre, la chaîne, elle est pas vieille du tout. Et vous m'éclatez ça comme ça. Enfin, c'est peut-être un petit chiffre comme ça. Mais moi, ça me rend tout fou, hein. Vous êtes des rois, les gars. Continuez comme ça, vous me rendez super heureux. Et Tony aussi. On est en train de littéralement péter un câble de notre côté. On se dit, mais c'est pas possible ça, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, je vous adore. On retourne à nos moutons. Ah, donc je vais redescendre avec Billy et je vais récupérer le grappin avec monsieur. Et il me semble que j'avais pas. Quand j'ai refait le jeu pour atteindre l'endroit, il me semble que j'avais pas tué les zombies qui sont près de l'épave. Donc on va devoir se les farcir maintenant. C'est pas quelque chose de bien grave. J'ai mon fusil à pompe. On va les dézinguer. Voilà. Voilà, Chico. Allez, deux d'un coup en plus. Easy. Easy peasy. Bon. On prend ça. Et honnêtement, on se barre parce que le reste, ça peut rester là. Si je ne me planque. Si je ne me coince pas, pardon. Il y a du bruit ici, hein. Il y a des trucs qui tombent, hein. Ça devrait être irrespirable l'air là depuis qu'il y a eu le crash et depuis les heures et les heures et les heures qu'on se balade partout. Il devrait y avoir de la fumée partout vu que c'est un peu un tunnel. Hop, monter l'échelle, bien sûr, on va pas rester à patauger dans la gadoue. Alors, ma petite Rebecca, ma petite choupette en sucre, qu'est-ce qu'on fesse? Là, on est pas mal. Le mec, c'est un arsenal. On se remet en mode équipe. Elle a les trois plaques. Attendez, attendez. J'aimerais bien charger le fusil à pompe, en fait. Le mettre à fond. Est-ce que je peux? Oh, t'es chiant, t'es chiant, t'es chiant, t'es chiant. C'est chiant. Bref, je le prends, je combine comme ça. Hop, hop. On redépose. Ouais, je peux pas lui échanger, hein. Elle a le flingue avec les 248 balles. Les trois explosifs. Honnêtement, on termine le jeu avec ça, je suis presque sûr, hein. C'est incroyable. On reprend ceci. Parce qu'en fait, ça m'embêterait qu'on quitte la zone et qu'on puisse pas y revenir. Ça m'étonnerait quand même, parce qu'il y a quand même énormément d'objets qui traînent partout, et je pense que le jeu me le dirait. Ou alors, c'est là la subtilité, et le jeu le dit pas, et tu peux faire des énormes conneries. Mais je me dis que si t'as vraiment besoin pour avancer du grappin plus tard, bah, il te laisse pas quitter l'endroit sans, en fait, me semble-t-il. Après, c'est que mon avis, hein. Ce serait quand même vachement mieux que ce soit comme ça. Parce qu'on se retrouverait bien vite dans la merdasse, me semble-t-il. Alors, on va tout simplement aller placer ça là-bas. En plus, maintenant, on est tranquille parce que Billy a dézingué les insectes. On passe par la double porte avec les chevaliers. Et on va placer tout ce qu'il faut là-bas, là-bas. Et on va découvrir la suite ensemble. Encore des balles, mais sérieusement, les gars. Sérieusement, pas assez de place, je peux pas prendre ça. Bah oui, je peux plus les transporter, je suis full. Et si je recharge, je peux? Même pas. Je suis full, full, full. Puff, 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 arrête de te bloquer partout, cocotte, tu m'embêtes. Hop là. Donc je suppose qu'on va mettre les plaques et que ça va ouvrir la double porte. Ouh. On a fusionné Billy. Alors, on va poser ça là. Je suppose qu'il met l'ordre tout seul. Clap, clap.
Parfait, obéissance. Unity. Discipline. Magnifique, cette porte est ouverte. Alors, Billy, puisque de toute façon c'est lui qui a l'arsenal de psychopathe. Attendez que je réfléchisse, c'est de là que je viens cette porte? Non, non, c'est là que je dois aller, hein, je pense. C'est celle-là qui s'est débloquée. Excusez-moi, petite réflexion. Ah, pas mal l'ambiance sonore déjà. Et des chauves-souris. Pas mal du tout, ça me fait penser à la musique dans le hall du commissariat dans Resident Evil 2. Qui est d'ailleurs ma musique préférée, tout Resident Evil confondu. Je peux pas aller là? Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est genre l'ambiance de son de fond de cette musique, vous voyez, sans le piano, sans la petite mélodie. Ah, il y a quelques petites choses là. Mais j'ai pas de place, donc on va prendre Rébénouille. Oh, mais que se passe-t-il? Ah, elle va devoir rester ici, la cocotte. J'ai comprendu maintenant. Alors, ramasse ça. On prend. À chaque fois. Il y a des trucs qui volent, hein. Il y a des saloperies. Hein. On se met en mode solo. Solo, solo. Bah, j'ai même pas besoin de prendre les munitions. En vrai, je crois que je vais devoir avancer avec Billy parce que tout est full, quoi. Je vais équiper ça parce qu'en général, quand on rentre dans un endroit qu'on est obligé de rentrer seul, ça pue. Et puis, on vient de sortir d'une grande zone. Donc, je me dis que, bon, voilà. Quand même, Mikami, on me la fait pas. Hein. Je sais même pas finalement si Mikami a participé à celui-là. Bah oui, si, forcément, puisqu'il a participé aux 4. Alors, bah on peut pas aller par là-bas. Donc on a, ouais, voilà, on a que la porte qui est déverrouillée par le petit poids de Rebecca. Pas le choix. Et j'ai vraiment. Et franchement, la musique ressemble beaucoup, hein. C'est beau, j'aime bien. J'aime bien. Ok, c'est très calme. C'est beaucoup trop calme. Qu'est-ce qu'on a par là? Une salle de sauvegarde! Excellent! Excellent, excellent. Je pense que je vais pouvoir en fait vous laisser là. Ça ferait un épisode d'un tout petit peu plus court que d'habitude. Mais je sens qu'il va peut-être se passer quelque chose une fois qu'on ressortira. Pour être honnête, parce que cette pièce-là, sans rien, ça pue du cul, hein, pour être honnête. Et je me demande si ce serait pas chouette de vous garder ça pour le prochain épisode. Un petit peu de suspense, n'est-ce pas? Alors, tout simplement, je vais sauvegarder. J'espère, comme d'habitude, que ça vous aura plu. N'oubliez pas le like, le petit commentaire, pardon. Abonnez-vous, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans le prochain épisode de Resident Evil 0. Ciao tout le monde, à plus!